Ben salut les amis, salut les mains, c'est Classe D69. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas la dernière fois, mais ben en fait ça fait 3 fois que je recommence une vidéo, j'en ai rien là, qu'est-ce qu'il y a? Une fois le. Ben, en fait avec Action Merely, j'ai voulu tester Action Merely, mais ça a merdé. Ma voix se coupait. Deuxième fois j'ai attaqué sur God of War version 4. Putain, j'avais fait peut-être une vingtaine de minutes de vidéo et paf là, je sais pas pourquoi j'ai un retour Windows en même temps qu'Nvidia, je sais pas quoi, gna 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 gna. Ça m'a pris les nerfs, du coup j'ai tout effacé. Donc du coup, ben, je suis venu sur Bête de Monde et donc on va continuer la One et puis on va peut-être presser le blé, je veux presser le blé. Peut-être faire du blé ou pas. Bon, ben, je pense qu'on arrive dans les derniers épisodes hein, de cette série. Je vais voir où je. Parce que vu comme le 15 arrive, donc. Normalement, s'il est pas trop con, il a l'air de partir comme il faut. C'est bon, hop. Allez, on va monter dans le fen. Oui, je crois pas que j'ai mis l'autre fen. Le dernier Dago Modding. Non, il n'y a pas le 930. Ah si, il y est. Oh, bah attendez. On va se faire ça. Et on va en revendre un peu. Le Fiat, il y en a pour besoin. Allez, on le revend. Celui-là, c'est celui que j'ai pris pour machiner. Celui-là, c'est pour moi. On a revendu le Fiat, on est content. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas sur le tracteur, bien sûr, comme par hasard. Hein? Là, je suis où? Je suis où? Je suis là. Donc on va faire une petite marche arrière, bien sûr, pour attaquer le rang de paille, le landin de paille. Voilà. Putain, mais décidément, j'attaque sur Gogozwo, c'est la nuit, et là, j'attaque sur. Mais demande, on impose de la nuit. On dirait que c'est tout fait pour me faire chier. Oui, donc alors, comme j'avais dit, enfin non, comme j'avais dit, comme je voulais vous dire dans les vidéos où j'ai recommencé, donc je vous ai fait donc un épisode de Call of Duty Ghost, donc j'espère que ça vous a plu. Et je voulais vous demander ce que vous pensiez de la qualité de la vidéo, parce qu'en fait, oh putain, et l'autre il est plein, et il est plein. Parce que en fait, j'ai capturé le jeu avec Shadowplay, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Shadowplay, c'est un logiciel de capture de Nvidia qui est avec vos cartes graphiques Nvidia. Donc vous téléchargez le logiciel GeForce est dedans, donc vous avez Shadowplay, vous pouvez faire vos réglages, les mises à jour, enfin tout le bazar quoi. Donc voilà, donc j'ai testé ça pour voir ce que ça donnait, parce qu'en fait quand je vous joue capturer Call of Duty Ghosts avec Fraps, et ben ça me saccadait, j'avais des lags, enfin je comprends pas. Pourtant, apparemment, pourquoi il marque que la jeune dire elle est bloquée? Mais oui, elle est pas bloquée puisqu'elle décharge. En parlant de décharge, la One, on va la vendre où? Sont où ces putains de prix? La One, la One, la One. Putain, puis ça paye pas du tout. Hein. Ah, on manège, ah oui. Oh putain, y a pas un autre endroit où il l'accepte? Zubi, ouais. Oh putain. Bah, Zubi, ouais, bah, on va aller la vendre quand même. Hein. Oh bah nom de Dieu, ah bah là j'en suis sur le cul, ça paye pas du tout. Hein. Rien du tout. Bon allez, bon on va aller la vendre, comme ça vous voulez, ça change un petit peu.
Oui, donc du coup, j'ai capturé donc avec Shadowplay. Donc, vous me direz ce que vous pensez de la vidéo en fait. Je sais pas, hein. Je sais même pas où je vais, je m'en rappelle. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo sur celle-là. Et vous voyez, j'ai rien touché depuis l'autre jour. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps d'avancer ni rien. Donc qu'est-ce que j'étais en train de... Bah j'ai fait les... Oui donc pour la... Voilà donc vous me direz si ça vous a plu déjà et puis si la vidéo était de bonne qualité. Après donc qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne durant les mois à venir? Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de gaming. Pourquoi il n'y a qu'une porte qui est ouverte? Bon, oh bon, on passe à travers. Oh, bah, normalement c'est là qu'on doit vider l'avoine. Oh là, t'es du hareng la gueule. Hein. Pourquoi qu'il tombe pas hein? Qu'il a décidé de me faire chier. Voilà. Donc voilà. Donc Action Merlis, je l'avais eu gratuit, si on peut appeler ça comme ça. Et donc quand j'enregistrais, ma voix ça saccadait. Enfin, ça coupe pour moi. Une couille dans le potage, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce manège. C'est pas le manège. Le manège, il est là. Attends, il est où? Bah ça, le bordel de merde. Pourquoi que c'est 1700 alors que je... Il doit y avoir quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne. Donc ici, apparemment, ça serait pour la paille. Ouais, il y a quand même quelque chose qui tourne pas en rond. Quand même quelque chose qui tourne pas en rond. Oui, ça fait trop faux, je vous le dis, mais. Bon, tant pis, on va y mettre là, de toute façon. Je comprends pas. À moins que là-bas, ça prenne aussi. En fait, là, c'est juste pour stocker. Attendez, je vais tester quelque chose, c'est juste peut-être pour stocker ici, et derrière, en fait, ici, c'est juste un petit entrepôt, et derrière, un petit peu prendre, hein, voilà, c'est bon. T'avances, non? T'avances ou t'avances pas? Tout. Ouais, c'est très con. Oula, qu'est-ce qui... Alors, attendez, voilà, c'est où, c'est derrière? Ouais, c'est derrière. Ouais, là, cette vue est là, ça doit être là, derrière. Voilà, il me semble... Putain, j'ai perdu... Mais non! Oh, putain, c'est... Mon Dieu, mais ça y est, j'ai perdu... Mais faut dire, je suis pas venu souvent. Et où ce machin? Ah, commence bien cet épisode. Hein, oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je vais y arriver. Ah, voilà, j'ai dit, je vais y arriver à l'enlever ce machin. Attendez, je vais descendre. Putain, on va remplir la trémie. Ah bah c'est là, putain. Oh là là. Oh, mais n'importe quoi. Oh là là. Mais n'importe quoi. Non mais excusez-moi. Ah. Alors, est-ce que là, ça va vouloir prendre, vendre? Bah, normalement, ça devrait. Voilà, ça devrait.
Oh, bah voilà, en fait c'est là qu'on vend. D'accord, la bourse stock et à côté tu vends. Bon, bah voilà. Eh ben pour ceux qui savaient pas, mais ils le savent. Donc c'est là qu'on vendrait la paille aussi alors. Bah oui, parce que Michel, il m'avait envoyé une photo pour me dire que c'était là. Et oui, c'est vrai, maintenant j'y repense. D'ailleurs, dédicace à toi, Michel, si tu m'entends. Oh putain, là il y a une porte d'engin, indestructible d'ailleurs, un camion qui rentre dedans, ça fait pas plier une faux. Allez, donc l'autre il est plein, ben ça tombe bien, on va lui emmener la remorque. Là là, c'est vrai, la sortie est par ici. Là là, deux trop petits coups de l'aigle. Putain, je comprends pas, je suis pas sûr, c'est vraiment ça l'aigle. Alors faut qu'on m'explique ce qui se passe là, ça commence vraiment par me gaver. Je vais y mettre le feu, moi, ce machin, moi je saurais pourquoi ça lag après. C'est moi qui vous le dis. Ouais, ça c'est l'histoire de faire le cacou. Alors, où qu'il est? Là, il est mort. Regarde donc où tu vas, de regarder où il est. Mais ça vous donne envie de gerber quand je fais ça, regardez. Dégueulez vos tripes. C'est nul n'importe quoi. Qu'est-ce que oui, c'est la fatigue du boulot. En tout cas, plus ce matin, on a eu un temps de merde. Putain de la flotte encore sur la gueule. Non, là, qu'est-ce qui est? Que par hasard, c'est dans le sens qui se met, hein. J'aurais pas pu laisser là. Donc ils mettent une heure à vider l'autre. Putain, j'ai beaucoup de tracteurs quand même. Allez, oh bah j'aurais pu se revendre ce fen. Bon, il en est à combien lui? Oh, bah il a fait que ça? Bah non, de Dieu, mais. Mais il vide pas quand je suis pas là ou quoi? Comment ça marche? Sûrement. Allez, on va monter dans le camion. Bientôt vidé. Après, on continuera à faire quelques petites bottes. Des bottes de paille d'Aouen. Et ça, Aouen. Et l'autre qui est toujours en train de clignoter. Mais oui, chacun en route, ta machine, pas peine de clignoter. Allez, c'est bon, putain. Allez, démarre, toi, putain, lui, il faut 8 jours pour qu'il démarre. Et la mousse de la gratter au démarrage d'abord. Allez, on va le foutre pour où, dans un coin qui me fait pas chier. Allez, là, il est pas mal. Allez, oh, c'est joli là. Joli coucher de soleil. Allez, c'est parti, mon jeannot. On va faire quelques bottines. Et ben après, on ira les vendre aussi. Hein. Je vais pas les garder, les bottes. Hein. Parce que des bottes de. J'ai des ballons, je crois, dans le prix à vache. Alors, on m'emmerde avec des carrés. Des carrés, des rectangles, pardon. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Pourquoi ça allumait les feux? J'ai pas allumé les feux, moi. Oulala, là là, c'est quoi ce bordel là? Mais ça va finir, mais ça va mal se finir. Voilà, l'autre qui moissonne, c'est très bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Du coup, je sais même plus combien de temps je tourne avec ces conneries de refaire des vidéos, de les faire, les défaire, les refaire, les défaire, les refaire. Et tout bazar, je ne sais même plus où vous en êtes après. Vous ne savez même plus où vous en êtes ici, pourtant on est ici. C'est très con ce qu'il vient de chanter, mais bon, vous avez l'habitude. Voilà, donc bon, ah si, enfin, je parlais du 15 tout à l'heure, il y a le nouveau trailer, un nouveau teaser qui est sorti, franchement, là, une petite présentation ferme et tout. Franchement, il donne quand même bien envie ce 15, hein, franchement. Autant le 13, ça vous donnait envie, mais je sais pas, s'il y a eu de nouvelles cultures, bon, vous étiez content et tout. Mais franchement, celui-là, comme vous savez qu'il y a du bois, des nouveaux véhicules, surtout ça, des nouveaux véhicules. Parce qu'à vrai dire, à part avoir 2-3 nouveaux 2, c'est un ou deux, qu'est-ce qu'il y avait eu en plus sur le 13 au niveau des véhicules?
Bon, après, il y a eu le pack titanium, il y a eu l'écorce. Mais franchement, au début, quand elle est sortie le jeu, on n'a pas eu le pack titanium tout de suite. Donc. Mais franchement, là, on aura tout de suite des nouveaux véhicules et tout, franchement. Et je suis en train de me demander qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme DLC, franchement. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir un DLC spécial bois avec des nouvelles machines de bois? Ou est-ce qu'ils vont nous sortir des nouveaux, peut-être une nouvelle marque de tracteur, on sait pas. Là, il a surprise peut-être. Une énorme surprise, courrier. Et oui, peut-être, on sait pas, on sait pas. Parce que franchement, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire en DLC, quoi. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle marque de tracteur ou des nouvelles marques? Parce que franchement, il y a une marque que je m'attendais pas qu'il y ait, c'est Steyr. Fastir, Steyr, je sais pas comment on dit, Steyr. Steyr, Fastir. Vas-y, tire-toi. Franchement, celle-là, je m'attendais pas, on n'entendait pas du tout parler et tout. Et franchement, je m'attendais pas à une nouvelle marque. Bon, il y aura un tracteur ou deux tracteurs, je sais même plus. Un forestier, un non-forestier, il me semble. Hein. Il me semble, hein, je voudrais pas dire des conneries, mais il me semble que c'est ça. Mais donc il y a combien sur ça? Bon, je sais pas comment. Alors est-ce qu'ils vont nous sortir une nouvelle marque de tracteur, une nouvelle moissonneuse, peut-être une nouvelle lanceuse? Peut-être une lanceuse Niola, on n'en sait pas. Hein. Les DLC du 11, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait une courbe, ben, il y avait eu les anciens, le pack d'anciens. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je me rappelle même plus. Les trucs, ah oui, il y avait la BGA, la DCL, DLC, pardon, DCL, DLC avec la BGA, et puis je sais plus ce qu'il y avait, il y a des remorques, il me semble, il y avait une remorque. Au Québec, il me semble qu'il y en avait trois, non? Non? Franchement, vous savez, mine de rien, c'est quand même un bout de temps, enfin un bout de temps. Ah, il y a 80, 90. Je le viderai et après ce que je ferai, je vais m'arrêter là. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. L'autre est à 90%. Qu'est-ce que je fais? Je le suis ou pour pas le suivre. Pourtant, il est toujours pas. Ouais. Allez. On va le suivre, après je charge mon manque de paille et je vais aller voir si on la vend bien là-bas. Oui, alors pourquoi à côté, je suppose, bah, vous y étiez même, oui j'ai filmé, hein. C'était devenu marteau, vous voyez. Il avait l'air de tenir un carreau, c'était peut-être de combler l'intérêt parce que alors là, prendre deux claques dans la gueule, donc là. Allez. Ah, oh, là. Allez hop, hop là. Alors il y en a qui m'ont demandé le lien de ce mode ou comment s'appelle le mode. Alors il me semble que c'est Player Caméra ou je sais pas. C'est en fait un bon. Lui aussi il faut le démarrer. Putain, ça me saoule ça. Allez c'est parti. C'est un collègue qui me l'a donné, donc un grand youtubeur aussi. Et il me semble que c'est Player Caméra ou je sais pas quoi. Putain, mais il avance pas plus vite que ça, là, Maurice. Oh. Peut-être faire avancer plus vite, non? Allez, on va amasser des bobottes sans bobottes. Grain de bottes. Oula, oh, on dirait un palais de hockey. Ouais, on fait un petit hockey. T'étais balle, non? Oui, il y en a qui connaissent, qui comprendront pas ce que je viens de dire, mais bon. C'est pas grave, vous avez l'habitude de pas comprendre ce que je vous dis. C'est normal. Oh putain, j'ai cru que j'allais la louper.
Oh putain, je suis passé à côté parce que l'autre il remontait le machin. Et recule mon Marcel. Ah, impeccable, nickel. Oui, c'est Marcel aujourd'hui, j'ai pas envie de dire Maurice. Je sais pas, des fois je change de nom, ça vient instinctivement. C'est même pas prémédité, hein. Je veux dire, ça sort tout seul quoi, c'est pas pour faire un malin ou n'importe quoi, c'est souvent des fois. Allez, 81, il en manque 2, 3, 3, non, je crois que c'est 18, hein. Non, il en manque 2, moi je vous le dis. J'ai pas une botte là-bas, je dirais. Ça, ah ouais, c'est 3, ah, c'est 18, c'est ce que je disais. Oh punaise, punaise, oh punaise. Et puis je sais pas pourquoi je tourne pas les roues quand je recule, ça fera mal, non, mais non, mais non, on fait le marteau. Allez, recule plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Wow, ouais, yo, c'était un peu ça comme leur mis en place, un petit coup de volant, terminé. Allez, normalement j'ai vu qu'il en restait une par là, non? Bizarre, le pour choper ça. Ah, nickel, allez, c'est bon, c'est parti, 100%. Allez, on va aller voir, on va aller essayer de vendre ça là-bas. On va mettre un coup de frein, un coup de frein, un coup de feu. J'ai switché, oh, j'ai switché contre ma volonté. À l'insu de mon plein gré, dis donc, j'ai switché, dis donc. Toi aussi, t'as fait ça, à l'insu de ton plein gré. Oh. On va se marrer. Franchement, il est pas mal ce petit gueule là. Allez, ça vous amuse? Ouais. Allez, on va aller vendre ça. Tranquille. Je crois que j'arrêterai la vidéo. Hein. Ça va faire un petit baba que je vous cause. Bah oui, comme crise de nerfs, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ah, il avance moins vite que le camion, ouais. Oui. Allez, on va passer par là, attention, il clique à droite, il clique à droite. Il clique à droite. Ouais, on fonce un peu dans la barrière, c'est pas grave, on l'a défoncé au moins de deux fois. Une fois rentrant avec le camion, et la troisième fois avec. Le tracteur, non, j'ai le temps. Oui, c'est bon. Je me suis pas fait. Alors, apparemment, on pourrait vendre la paille d'après Michel. Alors, Michel, on va voir s'il m'a pas raconté de conneries. Allez, recule-moi, ça te remonte. Oula, oula. Bah, moi, ça fait rien du tout. Hein? Ah oui, mais on peut peut-être que là dans en vrac, mais pas en botte. Ah mais attendez, oh là là, je viens d'avoir un éclair de génie, ça se trouve là-bas, où il y a le trigger? Putain, je sens que je vais encore me ridiculiser en direct. Ah oui, mais c'est en vrac peut-être qu'on la vend là, c'est peut-être pas en botte. Et là, c'est peut-être ici en... Non, il est où le trigger? Si, c'est peut-être... Non? Non? Pardon, je me suis trompé de touche. Alors, on va faire haut. Et où ce putain de trigger de merde? Là, on le voit à peine. Mais non, apparemment, c'est pas là, je comprends pas. Ils comprennent plus rien. Et pourquoi ils ont dessiné ça par terre? C'est pour me faire parler, non? Là, si je fais haut, là. Ah bah si, c'est là. Waouh! Bravo! Allez, sur ce, mes amis, je vous dis, bah, aimez, partagez, et puis abonnez-vous. Salut les Maurice, portez-vous bien. Salut.